Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de faire une partie d'un petit jeu tranquille qui s'appelle Dorf Romantique. J'avais déjà présenté le jeu mais maintenant il arrive en version 1.0 en sortie finale ce 28 avril. Il va coûter 13€, je vous mets le lien dans la description si jamais le jeu vous intéresse. On aura pour cette sortie 4 nouveaux modes de jeu. Le mode rapide qui permet d'avoir des parties plus rapides, plus courtes. On aura sans doute moins de tuiles à la base à poser, donc ça finira plus vite. Ce sera plus compliqué de faire beaucoup de points, j'imagine. Le mode difficile où on aura, ce qui est assez intéressant, des tuiles plus complexes apparemment. Donc il y aura peut-être des nouvelles sortes de tuiles plus dures à placer les unes à côté des autres pour pouvoir former un paysage. Parce que c'est ça le jeu, en fait je ne vous l'ai pas dit parce que je l'avais déjà présenté, mais c'est un jeu où on va poser des tuiles pour former un paysage bucolique et il faudra faire coïncider les bords des tuiles pour former un paysage le plus unifié, le plus uniforme possible, le plus beau en fait, avec également des quêtes à remplir. Alors autre nouveau mode, le mode mensuel où on aura tous les mois une variation sur les règles du jeu pour avoir un peu de variété qui s'ajoute au fur et à mesure du temps. Et puis le mode custom personnalisé qui va vous permettre de personnaliser les différents paramètres d'une partie normale. Voilà, nous on va jouer ici parce que je joue pas beaucoup au jeu, j'ai pas vraiment fait encore de partie très complète, donc je vais jouer le mode classique tout simplement. Alors ça fonctionne comment? Vous avez une réserve de tuiles ici, j'en ai 40 pour le moment. Vous allez en poser chaque fois, donc la réserve va diminuer. Si vous arrivez à 0, vous avez terminé la partie. On peut pas vraiment parler de perdre, c'est juste que vous terminez et alors vous comptez vos points. Alors, je peux tourner comme ceci. Alors c'est mieux de faire correspondre avec la petite lumière ici, puisque alors on a plus de points globalement. Si je fais ceci, ça ne correspond pas. Si je fais ça, ça correspond et j'aurai donc des points pour la jonction. Je crois que c'est 10 points par bord qui correspond. Et si vous avez les 6 côtés qui correspondent parfaitement pour une tuile, vous avez des points bonus et vous obtenez une tuile réserve supplémentaire. Voilà, là c'est les cours d'eau, on va en mettre un ici. Ici vous avez les champs. Je vais mettre ça là. Alors j'ai déjà débloqué, parce que j'ai quand même fait une partie avant pour tester un petit peu, retester les champs de lavande, j'ai envie de dire. C'est un nouveau biome, il y a des nouveaux biomes qui peuvent être débloqués. Alors là la quête c'est quoi ? 2 plus, ça veut dire que je dois mettre encore 2 ou plus morceaux maritimes ou fluviaux connectés. Là, il m'en reste maintenant un à mettre. Ici, vous avez les chemins de fer. Je vais le mettre par exemple ici. Et là, vous avez les forêts. Et là, on a déjà une bonne représentation de ce qu'on peut trouver dans le jeu. Il n'y a pas tout, mais vous avez déjà une bonne idée. Donc au fur et à mesure que vous allez avancer, ça va être de plus en plus dur d'avoir des choses qui sont bien connectées. Et en même temps, il faut arriver à remplir les quêtes pour remplir notre stock. J'ai plus que 34 déjà de tuiles. Alors là, évidemment... Alors ça correspond apparemment. Lavande ou champs normaux, c'est apparemment pareil. Donc je vais mettre ça ici, peut-être. Il m'en faut encore 2 après. On va tenter le coup. Alors là, je vais pas pouvoir mettre à la fois. Vous voyez, je peux pas le mettre en fait là. Ça correspond pas. Oui, ouais, c'est là en fait. Je voyais pas à cause de l'icône. Alors ici, je peux remettre des champs pour compléter un petit peu. Alors, par contre, ce serait mieux de mettre comme ça pour avoir, vous voyez, la forêt qui correspond aussi. Là, on est bien. Là, ça correspond aussi. Donc les 3 bords correspondent, c'est pas mal. Je vais mettre et on termine la quête parce que 2 plus, donc c'est ok. Voilà, je vous explique juste un peu le principe au début. Après, on va simplement jouer tranquillement. Et essayer de faire des points corrects. On peut avancer sur les maisons, mais je vais devoir refaire également un nouveau champ si je fais ça. Cela dit, pourquoi pas hein. Comme ceci. Voilà, alors on va terminer la quête du canal. Et vous voyez que je suis remonté à 44, j'ai augmenté mon nombre. On est pas mal pour ce début de partie. Évidemment, les débuts sont faciles. Regardez là déjà, opportunité perdue. Si je le mets là, j'ai une non-correspondance. Après, on en aura toujours hein, des non-correspondances. Il ne faut pas non plus trop se tracasser. Je vais mettre ça comme ceci. L'important, c'est d'essayer quand même de faire les quêtes pour pouvoir ne pas être en manque de tuiles. Mais évidemment, si on peut maximiser les points et les paysages, c'est mieux aussi. 7 plus, donc celle-là, ça va être une quête où il me faudra encore accoler 7 champs en plus, voire peut-être même encore plus si je peux. Là, c'est pas terrible. Là, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Faisons ça. Ça, c'est pas mal. J'aime bien aussi essayer de faire un paysage qui me plaise aussi, personnellement. Même si le but, c'est quand même, a priori, plutôt de faire des points, mais...
On est quand même là pour se faire plaisir aussi, hein, principalement. Donc là, en fait, on voit la forêt, mais c'est deux maisons qu'il y a à côté. Hein, donc il me faut un champ et des maisons. Dans l'idéal. Là, par contre, c'est parfait. Impeccable. 53, alors pas 53 tuiles avec des arbres, hein, je vous rassure. 53 arbres. En tant qu'unité. Quantité unique. On va essayer de faire une belle petite forêt. Alors, 5 maisons et plus. On va trouver un endroit où il faut que des maisons. Là, il faut un champ. Bon, on pourrait se dire, tant pis. Alors, je me dis, je mets là et j'entourerai toute maison plus tard. Et on termine la quête. On va essayer d'être ambitieux. De faire des choses bien. Voilà, le champ ici. Il en faut 2 en plus. Alors voilà, il faut regarder un petit peu les endroits où il y a les... Par contre, il y a des maisons des deux côtés. De part et d'autre, ça peut être compliqué. De faire un truc vraiment parfait, quoi. Je dirais que ça, c'est pas mal parce qu'il y a un coin qui correspond pas, mais c'est tout. Donc, on va s'en contenter. Là, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas trop mauvais non plus. En bas, c'est bon. 7 plans d'eau. On va déjà en raccorder pas mal, donc ça va être bien ici. Toujours regarder si je peux pas mettre celle-là. Il faut vraiment regarder aussi celles d'abord qui sont les plus dures, si ça correspond ou pas. Après, moi, j'aime pas non plus y passer 300 ans, mais chacun joue comme il le sent. C'est vraiment pas mal. On peut dézoomer. Là, en fait, il me faut un peu de tout. Là, c'est un peu compliqué. Il faut de la prairie. Si je veux faire un perfect, il va falloir peut-être attendre d'avoir vraiment la bonne case. Ça, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Je pense qu'on va plutôt se mettre comme ceci. Est-ce que ça pourrait aller, ceci? Eh, on est pas mal. C'est... Oh, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Là, c'est maison, zut. Ouais, c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Hein. Je pense quand même que je vais attendre d'essayer de trouver une case meilleure. Ça, c'est bon. Ici, on va peut-être continuer le champ. Prévoir une autre maison, une autre ville. Ou alors, je la continuerai là, je la rejoindrai. Et là, on a de la côte. Alors là, c'est pas mal, juste qu'on n'a pas de forêt là. Ou alors, je commence une nouvelle côte quelque part, là par exemple. On essaiera de rejoindre par là. Ça peut aller. Vous voyez, plus 40 parce qu'il y a 4 bords qui correspondent. On peut ainsi commencer à gagner pas mal de points. Alors ceci, ce sont des genres de défis que vous allez pouvoir accomplir. Et je pense qu'à certains moments, vous débloquez également, d'ailleurs je l'ai déjà fait dans la première partie, des nouvelles tuiles et des nouveaux biomes. Je ne sais pas en quelle quantité on va pouvoir en débloquer, mais on peut le faire. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas génial non plus. Alors, du mal à la mettre efficacement, celle-là, j'ai l'impression. Et dans ces cas-là, j'ai tendance plutôt à mettre dans un nouvel endroit. Comme ceci. De l'eau, ben on sait où, par où aller, on va venir ici. Bon, vraiment une case très spécifique là, par contre. J'aime évidemment pas trop laisser des trous comme ça, mais... Faut bien se dire qu'on peut toujours placer une case, sauf les... L'eau et les rails doivent vraiment correspondre. Mais sinon, je peux mettre ça là. Rien ne correspond ou quasiment rien, mais c'est pas grave. On remplit le paysage. Après, moi, j'ai pas envie de le faire, évidemment. 86 arbres, il faudra ici. Donc, on va prendre une forêt qu'on a déjà commencée. Soit celle-là, soit on continue celle-ci. Celle-là, il y a de l'eau pas loin. Donc, on pourrait peut-être faire... Ah, mais là, j'ai mis du sol. Ça risque d'être compliqué. Dommage, hein, il y aurait juste des arbres là au lieu de là et c'était bon ici. On aurait eu un truc parfait. C'est pas mal. Alors que des arbres, cool, ça c'est simple, on va se mettre ici. Nous avons... Là ça va pas aller. J'aime bien les... Oh regardez, ça c'est pas mal du tout, c'est pas parfait. Ça m'embête un peu là.
Ça, c'est bon. Il y a toujours celle-là que je dois mettre, mais j'arrive pas à obtenir la bonne case. Alors, c'est pas grave. On va agrandir le village par là. Maison plus village. Oh, maison plus forêt, pardon. C'est pas mal. Il manque un bord ici pour que ce soit bon. Que ce soit parfait. Ça, par contre, c'est presque bon aussi. Allez. C'est pas non plus être trop difficile parfois. De l'eau. Forêt et... Ah ouais, elle est bizarre, celle-là. Elle est un peu bizarre, ça va être peut-être compliqué. Je vais me mettre comme ça. Alors évidemment, la facilité, c'est de s'étendre comme ça, tout au bout, parce que là, on est forcément bon. On va toujours bien regarder si on peut pas fermer le paysage, éventuellement, et terminer les quêtes, surtout. Hein. J'ai les trains, mais là, j'ai pas... Oh, j'ai des arbres ici, j'avais pas vu. Faut que je fasse gaffe de pas fermer la forêt, il me faut mettre 76 arbres avant. D'accord. Ça paraît bon, mais regardez, en fait, là, il n'y a pas d'arbre. On peut pas faire que des perfects, hein, c'est pas grave. Ouais, pas mal, ça. Pas parfait, mais pas mal. Alors voilà, ici, nous avons besoin... Je pense que ça, ce serait quand même pas mal de le mettre là. C'est un coude. Alors, il y en aura d'autres, des coudes, hein. C'est mieux de se mettre ici. De l'eau qu'on va mettre là. Ouais, presque. Presque, mais pas bon. On va devoir se mettre ailleurs. Peut-être ici. Et alors tourne. Voilà. Je regarde toujours ce qu'on peut faire un peu à côté aussi. Vous voyez, là, il y avait un village. Là, j'en remets un. On pourra aller joindre ici. Sans trop de difficultés, je pense. Là. Ok, on va mettre ici. Alors, village. Dommage qu'il y ait ceci toujours qui me plombe. Ça. Train. Là, c'est toujours pas bon. Là, ça peut être peut-être pas mal. Ah, ça va être compliqué d'en mettre un parfait ici après. Après, on l'a dit, la perfection n'a pas forcément de son. Après, on voit la case suivante aussi, mais bon, c'est rarement celle qu'on veut directement. Encore une comme ça. D'accord. Évidemment, plus on avance, plus ça peut être difficile de décider parce qu'on a plus de possibilités. Évidemment. Ouais, c'est pas mal, hein. C'était presque vraiment très bon. Bon. On va mettre ça. On pourra compléter la forêt ici. C'est pas bon. Peut-être terminer comme ça. Ça, c'est ok. Le paysage commence tout doucement à prendre forme. On a encore 41 tuiles, donc on est comme au départ. Donc on n'est pas trop mal. Faut pas oublier de faire les quêtes. Quand j'aurai beaucoup d'arbres, je les mettrai là. Faut pas oublier. J'ai pris un petit peu plus de temps, donc j'ai fait une coupure. Parce que là, ça me paraît vraiment pas mal. Plus 40 et un parfait à côté. Vous voyez, ça vaut la peine parce que quand on fait un parfait, on récupère, je pense, une tuile. Hein. Et puis, c'est satisfaisant, hein, tout simplement. Alors là, on a que du village. Ça ne m'arrange pas forcément, sauf ici. Pas mal. Et c'est une quête aussi, donc attention. Alors, 26. Alors, le petit carré rectangle ici, ça veut dire qu'on a une quête additionnelle une fois qu'on a terminé les 26. Les 26, ça veut dire qu'il faut 26 tout pile, je pense. Donc faut pas en mettre plus, ni moins.
Dommage, là c'est toujours pas bon. La pièce existe, c'est sûr. Hein. Faut juste tomber dessus. Ça pourrait aller, ça je pense. Parfait. Génial. Alors des arbres, j'en voulais où? J'en voulais là. Est-ce que je peux continuer avec ça? Le problème c'est qu'on n'aura pas un truc parfait, mais est-ce que c'est grave? Ça m'embête un peu. Ça c'est bien. On a des beaux paysages qui se forment le long de la rivière. Là, on prévoit la suite de la forêt, ça me paraît pas mal. Parce qu'il m'en faudrait une grande, il faudrait qu'on passe par là. Ça, c'est idem, c'est bien aussi. Ouais. Là, non, hein. Ok, ici. Alors, notre petit réseau ferroviaire, il est là. C'est pas mal ici, maintenant il y a de l'eau qui se rajoute, ça me fait un peu peur, tandis que là on a là, elle est presque parfaite, elle est pas bonne, mais non, elle est pas hyper géniale. Après on n'a pas beaucoup de choix avec ces trucs là généralement, donc il va falloir faire avec ce qu'on a, je vais mettre ça ici. On a de l'arbre encore ici, si je veux, ça peut être pas mal. Mais la priorité c'est d'essayer de le mettre correctement ici. Alors, on n'a pas du tout assez d'arbres là non plus. Alors c'est trop peu. Voilà, on a un beau petit village ici. Hein. Si seulement je pouvais fermer ces trous là, ça ferait plaisir. Ouais, là c'est vraiment pas bon. Enfin, pas terrible quoi. Ça peut aller ici. Plus 30. Il faut 7 pièces. Alors si je mets là par exemple... Là, ça colle pas évidemment, il n'y a pas de... Là il y en a encore. Voilà, c'est X. Pourquoi c'est X? Parce que je suis déjà au-dessus des 7 et donc ça foire. Donc à ce moment-là, soit il faut commencer une nouvelle, un nouveau champ, ou accepter de rater la quête. Moi je préférerais quand même commencer un nouveau champ. Il faut 7. On va se mettre ici. Là il y a des maisons, ça peut aller ou pas? Oui, en se mettant là. Coude arboré. Ah, écoutez, je pense quand même que je vais la prendre. Il y a un coin qui va pas. Donc on n'aura pas le parfait. Alors que là, on est parfait là pour le moment. Donc ça m'embête. Je vais attendre. Je vais attendre. Ouais, je vais mettre comme ça. Alors on peut poursuivre la forêt là, mais c'est loin d'être parfait. Ça non plus. Ouais, on essaie quand même d'avoir un truc bien, hein. Ça c'est bien. De l'eau, là non, il faut un truc droit, ça c'est bon. Ça, est-ce que c'est pas ce que je voulais là-bas? Ah mais il n'y a pas d'eau. Là il en faut 5 absolument, donc on va tout doucement essayer de fermer avec des choses qui collent bien. Genre ça. Ça, c'est pas mal. Un morceau qui ne ferme pas. On est bon. Ça, c'est une pièce que j'avais débloquée. Je pense qu'on va pouvoir avoir une petite surprise à ce moment-là. C'est probablement un petit bateau qui va sortir, je pense. Ou pas, peut-être qu'il lui faut plus de pièces. Purée, les 76, ça va être compliqué là maintenant. Faut vraiment que je fasse gaffe à mes arbres. Donc tant pis si c'est pas parfait, mais je pense qu'il va falloir essayer de poursuivre la forêt quand même là. On a plus que 24 pièces, ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse des quêtes, donc on y va. 215, d'accord. Alors on va regrouper. Monter à 28. Toi tu vas aller ici. J'ai rien trouvé de mieux. Alors là, ça, on va pas avoir beaucoup de choix, je pense. Pour ça. Est-ce qu'on peut... Alors, je dois recommencer un nouveau réseau, en fait. Pas connecter l'existant. Ce n'est pas grave. Alors, on va trouver un endroit qui peut correspondre. Peut-être commencer ici, sur le côté. Ah, mais j'ai ça d'abord, de toute façon. Alors là, il reste 3 à faire. On n'est pas loin. Et là, il n'y a pas tout qui colle, mais je vais quand même le mettre.
Alors voilà la pièce que je devais mettre. Ah, je peux quand même la mettre là, celle-là. Pas génial, mais on va le faire. De l'eau. De l'eau avec... Là, je ne vais pas pouvoir mettre ça là. Avec du champ. Est-ce que j'anticiperai pas sur la présence d'eau qui irait jusque là? Ce serait un peu... Un peu gros. Oh là, peut-être. Ah, dommage. Dommage, ça ne va pas. Donc juste un... Alors, on peut mettre un petit... On peut mettre un étang, hein. C'est, et terminer la quête, c'est pas... Je vais quand même mettre là. Comme ça, si je dois faire une grande étendue d'eau, je pourrais le faire. Ok, quête ici, les 126 arbres, ne pas oublier, et là il y a 34 maisons. Minimum. Pas génial tout ça. Ça, ça peut le faire. De l'herbe. Full herbe. On va fermer ici. Ah ah. Toujours ces machins-là qu'avec un peu de chance, je peux fermer correctement, mais ça se met jamais hyper hyper bien, hein, c'est le problème. Peut-être que je suis un petit peu trop difficile, mais... Alors, ceci indique le drapeau qu'on doit fermer le groupe maintenant, c'est-à-dire que les champs ne soient plus extensibles, qu'il n'y ait plus de possibilités. Donc quand même, ça vaudrait peut-être la peine de faire ceci. Histoire de fermer quand même pas trop tard. Plus que un champ ici. Bon, on a un champ. Donc là, clairement, on va juste terminer. Boum. Ok. Le coude avec des maisons. Le coude d'eau. Ça me plaît pas trop. Ah, peut-être. Ah, pourquoi pas. Alors plutôt comme... Non, comme ça, ça... Comme ça, ouais. Ça, c'est bon. Trois champs. Trois champs. Il faut fermer celui-là maintenant. On me demande de fermer. J'ai également une fermeture de... rail. On va peut-être... Voilà. Je vais mettre comme ça parce que ça se met pas mal, mais il faudra fermer quand même, hein, au bout d'un moment. Voilà, ça c'est bon. Alors, des arbres, absolument, faut absolument qu'on continue ici, hein, au bout d'un moment. J'ai une, je peux fermer un peu avec ça. Presque. Voilà. Le coude là, il est bon, enfin il est bon, il est pas bon. Il y a quand même trois morceaux qui vont pas, ça me paraît trop. Ça me cause un problème. Un gros problème de faire ça. Là, on n'en a qu'un. Oh, c'est pas mal, ça. Malheureusement. Ah, il considère que ça correspond. Ok. Ça. On a là aussi maintenant, hein. Là, c'est bon. Nous avons... C'est pas loin d'être pas mal, mais c'est pas suffisant pour moi. C'est pas assez bon. Y a qu'un qui correspond pas, allez, on va le mettre. Deux maisons, faut toujours qu'on ait 34 maisons aussi ici, pas oublier. Après, ça clôture plus qu'autre chose, mais si on trouve un bon endroit, comme ici. Parfait. Ouais, faut qu'on continue les maisons. De toute façon, je vais me mettre comme ça. On peut continuer vers le bas et vers le haut. De l'eau. Que de l'eau. Là. Alors, une quête, il faudra mettre 7 en eau. Là, c'est déjà évidemment beaucoup trop. Donc, on va aller sur notre second réseau. Et on va le poursuivre par là. Il faut 10 pièces de train max. Nouveau réseau ici. Un peu obligé, bon... Voilà, c'est pas grave.
Alors, on m'a demandé de fermer ici, mais ce que c'est quand je vois une pièce qui va vraiment bien comme celle-là, j'aurais envie de la mettre là. Eh oui. Il y a celle-là qu'il faut juste fermer, mais on va attendre d'avoir de la maison, peut-être. Mettre à côté, il y a ça. Et sinon, c'est fermé, ok. Là, on a des bois. C'est peut-être déjà pas mal. Je vais faire. Voilà, celle-là, je m'étais dit, elle est pas mal là, en fait. On fermera facilement après là. Normalement, si tout va bien. Ça devrait le faire. Je pense que je vais quand même me mettre ici. Avec la maison qui n'allait pas. Alors ici, on a des arbres et ceci, mais ça colle pas. Là, ça colle pas du tout. Ça, c'est pas assez bon, je regrette, je peux pas mettre ça là, ça me cause un gros problème mental de mettre ça là. Je ne veux pas. Ok. Bon là, c'est pas terrible. J'allais dire c'est pas mal, mais en fait c'est pas terrible. D'accord. Alors un trou avec juste une maison, voilà qui est simple. Un trou, oui, de la prairie avec juste une maison au bout. Ça devrait pouvoir se mettre quelque part. Ouais, bon, on va mettre ça comme ça. C'est quand même pas mal du tout. Je vais encore terminer ça, ne pas oublier. Sauf que c'est vraiment pas terrible. Je peux terminer celle-là comme ça maintenant, je vais le faire. Ça la termine presque, il ne reste plus que là. Quand on passe sur le drapeau, on doit voir les endroits qui peuvent être complétés. Il y en a encore quand même quelques-uns. Oh, zut, j'ai fait une bêtise, quête annulée. Pourquoi? Ah, c'est la quête, il y avait une quête dessus. Zut, je ne l'ai pas vue. Première, on va dire, grosse boulette là. Je crois qu'on peut revenir en arrière. Ah ouais, cool, bah c'est tranquille. 23, effectivement, il en faut pas plus, là. Je peux faire coup double de clôturer et que c'est bon en même temps, ça ferait plaisir. Mais c'est pas le cas. Allez, des maisons, ouverture de l'autre côté. Ce jeu est vraiment tranquille et en même temps, il mobilise quand même pas mal de cerveau, en fait. En reconnaissance des formes et en mémoire également de ce qu'on a déjà, pour ne pas perdre 10 000 temps à chercher les endroits où ça peut aller. C'est cool. Ah, c'était presque bon, mais elle est bizarre cette forme-là. Il faut vraiment... Il y a deux prairies en fait, deux prairies, deux bois et deux maisons en fait. Simplement, elle n'est pas si bizarre que ça. Faut tomber dessus. Peut-être ceci n'est pas si mal ici. 20 huiles, attention. On va mettre ça ici, on est pas mal. Il n'y a qu'un truc qui va pas. On aide un peu à clôturer. Il faut qu'on regagne des tuiles. Donc au bout d'un moment, il faut plus chercher la perfection. Enfin, c'est vraiment une balance à donner. Là, c'est pas mal, mais il y a deux cases qui sont pas bonnes. Entre vouloir les trucs parfaits et en même temps à réussir des quêtes. Parce qu'on pose, on pose, mais ça rend pas les tuiles. Hein. Au bout d'un moment, il faut réussir les quêtes. Donc là, il faudrait peut-être quand même que je me mette dessus vraiment. Je vais mettre comme ça. Des arbres. Il y a ceux-là encore, mais il en faut encore 128. Après, ça peut aller vite. Bah, je vais mettre ici. 106. Ok. De l'eau. J'ai un peu peur d'un game over, là, honnêtement, ce serait un peu trop tôt, je trouve. Je serais déçu. Mais attendez, là, c'est pas encore l'eau, c'est... Il faut qu'on termine ce truc-là, hein, même si c'est pas parfait. Il y a ça. Après, je vais mettre... On trouvera bien une pièce qui va, mais là, ça termine même pas, en fait, ça clôture pas. Donc...
Mettons ça là. J'ai quand même fait deux parfaits sous les cases à côté. Je suis quand même content. Je suis quand même content. Je suis vite content aussi, hein, mais... Voilà. Pas trop ce que je veux, hein. C'est pas trop ce que je veux, mais je vais quand même le faire. Ça, c'est pas trop mal. Là, c'est mieux. Alors, il y a une quête pour avoir 245 arbres, donc autant mettre dans une quête qui demande déjà des arbres minimum. Hein. Donc là, on risque pas de se mettre à mal, au contraire, on va aider. Là, c'est pas des arbres, là, zut. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Reste 14 tuiles. La situation devient critique tout doucement. Ça devient critique, j'ai toujours pas pu mettre ces tuiles-là. Je les ai pas, je les obtiens pas. 23 maisons. Allez, qu'on ne me dise pas que c'est pas possible de faire 23 maisons. Hein. Ici. Enfin, de toute façon, qu'on est quand même pas tellement loin de ce qu'on veut ici, mais c'est pas du tout parfait. Les arbres, ils sont où les arbres que je veux là, ici? Ça, c'est pas mal, ça. On va pouvoir faire un truc bien, là. Voilà, ça, c'est bon. Encore des arbres, mais là, on a... Ce n'est pas parfait non plus loin de là. Je vais mettre ça là. Je fais une ribambelle d'arbres étirés, mais... Ça ne conclut pas, hein. Ici, du coup, j'ai encore... Alors, j'ai mis ça, j'ai fait une erreur, là. Ah non, j'ai terminé là. Oui, il y a les arbres entre les deux, c'est bon. Faut que je termine là, en fait. Et là. Ça fait quand même beaucoup. Et là, je termine rien du tout en plaçant ça. Au contraire. J'étire encore. Pas si facile. Là, il faut 21 champs, ça prend un temps fou. Et là, au moins, la case est bonne. Eh oui, on peut pas s'empêcher d'essayer de mettre des bonnes cases. Qui vont bien, mais en même temps, il faut récupérer des tuiles. Le gameplay est vraiment bien fichu du jeu. Hein. Bon, je vais récupérer là des... Voilà. Je suis à 10. Alors, je récupère 5. C'est pas non plus... J'ai l'impression que je vais déjà bientôt perdre. Ce serait honteux. On ne veut pas. Attendez, je vais zoomer un peu. Qu'est-ce qu'on a qui va pas ici? Beaucoup trop de choses. En même temps, j'ai besoin des arbres. Réussir deux quêtes en même temps serait vraiment très favorable. Ah. Ok, on va faire ça. Plus 20. Ici, j'ai une fermeture. Pour cet endroit-là. De l'eau. J'avais terminé la quête malheureusement, donc ça me donnera rien de spécial. On va essayer de mettre ça correctement. Ici, j'aurai pas des masses de choix. Ah zut, ça va pas du tout ici. Là, il me faut 9. Là, il faut plus que 2 en fait. Donc on va mettre, tant pis. Il faut que je remonte. Je pense qu'on peut jouer assez longtemps si on se concentre vraiment que sur les quêtes et pas sur le score, mais du coup le score finit quand même par monte de toute manière. Faut que je me concentre un peu plus sur le score en fait. Ça me paraît clair. Sur les quêtes. Bon, par défaut, toi, tu vas aller là. Ça m'enchante pas des masses, mais tant pis. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, hein. Il y a deux côtés qui sont pas bons parce qu'il n'y a pas de prairie, malheureusement. On va viser les arbres, hein, plutôt. Ce sera mieux. Agrandissons la forêt. On va essayer de rejoindre là, peut-être. Là, il faut 18. Là, je dois encore fermer là. Ça n'aidera pas à fermer. Donc on va plutôt aider ici.
mettant ça. Voilà, les arbres là, on peut rejoindre, c'est pas mal. Je peux continuer vers l'intérieur ou vers l'extérieur, je sais pas trop ce qui est mieux. Mais là, vous voyez, c'est de la prairie, donc on arrivera peut-être pas si facilement à mettre des armes. Là, je vais mettre deux quêtes d'un coup. Ouf, on est remonté à 20. Heureux je suis. Content je suis. Voilà. C'est du beau boulot. C'est ce qu'il fallait faire. On va continuer sur les quêtes, hein, tout en essayant de faire du boulot correct pour le reste. Là, je peux peut-être fermer un peu. Alors, je peux fermer ça, hein, ce sera pas parfait du coup, mais tant pis. Je vais prendre. Oh, une tuile débloquée. Le barrage de Castor. Excellent. Excellent, ok. Tiens, j'ai pas encore... Je pense qu'il faut débloquer la gare pour pouvoir voir les trains. Probablement. 14 plus champ, là il faut encore, là on peut pas mettre, là non plus, on va continuer ici, il en faut encore 8. De l'eau. Il manque... Je vais attendre. Encore de l'eau, ça c'est pas mal. Alors il faut 12 tronçons d'eau. Exactement, probablement, il n'y a pas de plus, donc si je mets ça là, ça foire. Est-ce que là j'ai déjà 12? Non, il en manquera plus qu'un, donc c'est bien. Parfait, comme ceci. 42 maisons, ça doit se trouver. Ah. Est-ce que je devrais terminer ça, hein? Je ne peux plus attendre la tuile parfaite. Ouais, je pense que je vais le faire. Alors, encore un truc comme ça. Je vais peut-être plus le mettre dans celui-là. On va le mettre par ici. Pourquoi? Parce que... Et on, attendez, là on me demande de terminer, donc là non, on va pas mettre là, ça ouvre trop. Alors qu'ici on me demande pas de terminer, donc je peux, si je veux, mettre ça là. Ça c'est peut-être un bon truc pour terminer, juste sur un coin, ouais. En tout cas, si je mets comme ça, ça termine. Ce coin là, il y a encore là et là bien sûr. Ça ouvre trop, hein. Il y a deux côtés qui sont pas bons, il me faut de la forêt. Alors les 14 champs, c'est là-bas. On y va, de l'eau. De l'eau avec une petite maison. Ok. Ah voilà, forme une étendue d'eau avec au moins 15 segments d'eau, alors on débloque le bateau. Vous voyez, j'avais pas beaucoup rejoué au jeu. Hein. Quasiment pas. Depuis la bêta, la démo. Je mets ça ici. Prairie, maison. C'est pas top. Très particulier. Il faut vraiment avoir le truc qu'il faut. Pile poil, mais je l'ai pas. Pas vraiment. Ah, c'est pas mal ça, on pourrait mettre encore du champ ici. Ouais. Faut des maisons en plus. Si je peux faire à un moment donné la jonction comme ça. Ouais, ça ne joint à rien du tout. Au contraire, ça termine. Bon. Ouais, là c'est pas mal. Il faut 11 exactement. On est une encore ici. Coude avec... malheureusement, c'est encore des maisons ici. Ça ne va pas. Je peux anticiper peut-être sur la suite ici, mais on m'a demandé plutôt de finir. Si je me mets là, après on met un autre coude et on fait un rond. Pas mal. Pas mal du tout. Alors on a deux. On va profiter. Et on me demande d'en mettre 12 au total, mais comme il faut en faire 10 avant, c'est bon, on pourrait aller faire les deux dans la foulée. Sauf que j'en mets déjà trop, zut. La
ai déjà plus que 12 au total quand je mets celle-là. Zut, c'est pas bon. Là, évidemment, on oublie, c'est trop gros. Là, c'est pas mal. Alors, on va se mettre là. On pourrait faire ça, il manque juste la forêt. C'était pas trop mauvais. Je vais mettre plutôt là. 2 et 1. Là, c'est quasiment bon. Je pense quand même que je vais le prendre. Alors, peut-être on a toute la tuile parfaite. Il n'y a que ça qui n'était pas bon. En plus, je fais quand même 2 parfaits à côté. Je dirais pas que je l'ai fait exprès parce que ce serait faux, mais c'est le résultat quand même d'une certaine attention portée à faire les choses bien. Donc je vais quand même en prendre les fleurs, en prendre le bénéfice. Ouais, c'est pas mal. Beaucoup de forêt. Alors je devais clôturer là maintenant. Donc ça, en fait, je dois la clôturer doublement. Donc il faut vraiment d'autant plus essayer de le faire. Mais comme c'est très ouvert, je vais pas la mettre là, ça clôturera rien du tout. Alors là, il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Comme ça, par exemple, c'est pas mal du tout. Ok. Zone complètement ouverte, ici. Terminer un chemin de fer, là je veux sûrement pas le terminer malheureusement. Là, ça peut le faire. Ah. Pas bon. Pas très bon. Alors, j'en commence à nouveau, là-bas. Pas terrible. Allez, là, c'est pas trop mauvais. N'oublions pas qu'on doit terminer de toute manière, donc ça peut aider. On doit clôturer où? En fait, tout en haut à gauche, c'est quoi de la prairie au bord? Là, j'ai l'impression que c'est des arbres, mais bon. On verra, faudrait clôturer là et là. Ça c'est bon. Ça c'est peut-être suffisamment bon, j'ai envie de le faire. Ouais, je pense qu'il reste là-bas. Et là. Là ça peut être compliqué parce qu'il y a de l'eau malheureusement. On va placer ça ici. Ça c'est parfait ça, regardez ça. C'est bien de faire des parfaits, mais il faut finir les quêtes, il ne me reste plus que 10... Quand j'ai un parfait, j'en récupère une, donc celle qu'on pose ne coûte rien, finalement, c'est ça que ça veut dire. On la récupère. Absolument avancer ici. Il n'y a pas de quête avec les prairies, hein. C'est bien pour remplir les trous, mais... Plus que 9, 348 arbres il faut ici. Il en restera 96 là, et là on ouvre encore plus et on n'a pas assez de toute manière, on va pas le mettre là. Je crois que là, c'est pas mal. Ici, je vais mettre une petite maison. Alors si je mets là, le problème c'est que je risque de rendre plus compliqué encore de mettre cette tuile là. Bon, je vais pas mettre ça là, je vais mettre ça ici, terminer ce petit coin là. Peut-être les castors, on pourra mettre là, le barrage, j'espère. Ce serait vraiment trop bien d'avoir un barrage là. On va voir, alors j'ai besoin de beaucoup. On va mettre ça. On va mettre encore ça. Voilà. Alors par contre, comme il en faut 6, pile poil, ça va rater la quête de du cours d'eau. Mais je peux terminer directement la quête de la forêt parce que là et là, ça va terminer. C'est un choix, mais si je le fais pas, je risque de perdre. Bon, je crois qu'il faut que je mette quand même mon barrage là. Là, si, de toute façon, c'est déjà trop. Là, c'était pas mal, hein, mais ça foire la quête également. Alors, je vais mettre ici. Oula, attendez. Qu'est-ce qui reste comme côté? J'ai tout fermé. Ah non, il y a là. Ah zut, j'ai raté la quête du coup, 53 maisons. Ça, je veux pas. On va faire celles-là ensemble, hein. Elles sont bien. Comme ça. Plein de maisons ici. Ici. Ouh, plus que 4, plus que 4. Là qu'il faut vraiment prendre son temps. J'ai fait un beau petit paysage, mais j'aurais bien voulu faire plus. Là, ça se met pile poil, c'est jusqu'après la tuile pour compléter ceci, ça va être très très coton. Très très dur.
Alors là, on termine la forêt normalement. Yes, ok. On est remonté à 12. C'est bon. C'est bon ça. Donc régulièrement, dans tout cas, quand j'aurai des rails et de l'eau, faudra aller voir là si je peux mettre. J'ai un doute de pouvoir y arriver, franchement. Ça, c'est quasiment parfait. Non, c'est pas du tout parfait. Ici, il en faut 14 au total. Est-ce que je vais y arriver un jour? Peut-être. Faisons ça déjà. Peut-être jamais c'est parfait ici, hein, mais bon. C'est bon. Alors, les défis en cours, on a Paysagiste 2, posé 500 tuiles au total. Je pense que c'est sur plusieurs parties. Hein. Océan 2, forme une étendue d'eau avec au moins 30 segments. Si on rejoint là, on peut peut-être y arriver. Et Champion 2 obtient un score de 10 000 points. Ça, je n'y arriverai pas cette fois-ci. C'est sûr. Là, il en faut 9. Compliqué, compliqué d'en avoir 9. Plus 8, après on en aura encore. Je peux peut-être partir là-dessus. Trou avec maison. Oh! Ouais, mais non, il y en a toujours un qui sera mauvais ici. Il y aurait deux maisons sur le bord et pas une seule. On va se mettre ici en prévision de la suite. Alors là, il faut 22 plus. Il en manquera encore 7 ici. Là, il en manque 8. Il en manquera plus que 5. Mais la case, elle va mieux ici. Eh oui. Elle va un peu mieux, quoi. Je la mettre là. Cours d'eau. Cours d'eau et champ. Cours d'eau et champ. Bon, faut qu'on mette des champs, hein, y a rien à faire. Ça, c'est pas mal. Plus que 6. Est-ce que je me concentre là-dessus? Je pense que oui, hein. Ça. Il en manque plus que 4. Ok. Ouh, est-ce qu'on va pouvoir sauver notre peau encore une fois? Il manque 5 maisons là, c'est pas énorme. Je peux déjà en poser 4 ici. On va bien trouver un truc qui va ici. Ça, ça va. Plus qu'une maison. Une maison, deux champs. Allez. Les deux champs, on vient de les avoir. Ok. Alors ça, mais voilà, j'aurais peut-être pas dû mettre ça là, honnêtement. Ça me plombe complètement. On va continuer ça, il manque 5. Voilà. Il manque un champ ici. Il faut vraiment une case avec... Ah non, c'est un ou plus, c'est bon. C'est un ou plus. Je suis remonté à 10. Vraiment, j'aurais bien remonté à 20, honnêtement, ça me ferait plaisir. C'est ce qu'il me faut. Là, je termine les maisons. Il en faut encore 8, 7 piles. Cette pile-là, je peux clôturer maintenant également. Donc si j'ai des petits trucs qui clôturent comme ça, je peux les mettre. S'ils se mettent bien, pourquoi pas. C'est pas mal, mais ça clôture pas. Chaque pièce doit vraiment compter, doit peser. Maintenant, dans la partie. Ah non, j'ai encore 13. Hein. J'ai encore 13 quand même. Bon, je vais quand même mettre ça... Là, parce que ça se met bien. Des maisons ici. Plus que 4. Il faut mettre 4 piles. Là, il y en a 5. Pas de bol. 343 arbres pour cette forêt. Il y a toujours les forêts, là. Cette grande forêt-là, je les hausse pas mal. Ça, suffisamment bon pour le prendre. 5 maisons. C'est trop, mais je peux les mettre pour les rejoindre plus tard. Éventuellement. Genre, je les mets là. Je rassemblerai en une grande ville plus tard. Des arbres, une maison.
Après deux maisons, ça fera trois, ça sera pas bon. De toute manière. Ok. Toujours besoin de clôturer là-bas. Peut-être qu'on pourrait le faire comme ça. Comme ça en clôture. C'est pas exceptionnel, mais au moins on clôturera. Pas tout de suite, mais je vais encore fermer là. Et là, et là. Des arbres. Oui. Alors, il en faut 21 exactement, pièces d'eau. Est-ce qu'on est bon? Il en manquerait 5. Le problème, c'est que je rends encore plus dur. Là, cette case-là, on la mettra jamais. Probablement pas. Là, évidemment, ça va être trop. Ok. Plus que 6 pièces. 6 petites pièces. Je fais le max pour faire les points, les amis, mais... Il manquera 3. Ici, j'ai 2. Enfin, 2, 3, pardon, et un de l'autre côté. On a peut-être moyen de fermer un peu quelque chose. Faut y aller comme un sauvage un peu maintenant. Hein. Je dois fermer, quoi. Faut que ça corresponde pas, en fait, idéalement. Plus 3 pièces. Je peux mettre ça là. Ah non, j'en ai encore mis deux là, j'ai ouvert, zut, l'idiot. Ah non, c'est fermé là. Il manque plus que celle-là, je pense. On va bien mettre du bois pour être sûr de fermer. Voilà. Les arbres. 14 ici. Pff, franchement... On va coller comme ça pour faire du chiffre, mais on n'y arrivera peut-être pas, il me reste plus que 5. Oh, regardez, ça se lie avec... c'est cool quand même, toutes les petites interactions, ça se lie avec du rail, on dirait. Je me demande si on ne peut pas connecter le rail à ces trucs-là, en fait. Si. C'est un truc de chemin de fer, en fait. Cool. Bonne découverte. Ce qu'on voit pas en fait, hein. On le voit pas à moins d'en mettre deux à côté de l'autre ou à côté d'un rail. Bon, soit. Il me reste quoi? 2 ici. Alors ça me servira là, mais ça va pas me. Ça va pas me permettre de m'en tirer. J'ai 5 maisons alors qu'il m'en faut 4. Ah! 5 maisons alors qu'il en faut 4 et j'ai pas d'autres quêtes de maisons. Peut-être ça là, ça va m'arracher le cœur si je le fais. Je vais pas le faire. Encore 2 ici. Une là alors qu'il m'en faut 6, ça va pas le faire. Ah, c'est ma dernière, d'accord. 3 maisons? Oh, il en faut 4. Ok. Ça se met très bien. Ah, j'ai fait un parfait au-dessus. Si je pouvais faire un parfait encore, ça me... Genre là, est-ce que j'aurais pas un parfait au-dessus avec un peu de chance? Je pense pas. Ah, regardez. Boum. On est reparti. On est reparti. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est essayer de fermer, parce que fermer, c'est facile. Et il me reste quand même que 11 pièces, donc on va essayer de mettre tout pour fermer au max. Il faudra 1, 2, 3, 4 pièces minimum pour fermer. Donc pour peu que ça corresponde un tout petit peu à autre chose, je vais les mettre. Hein. Alors là, ça correspond pas mal. Non, là, je dois pas mettre, en fait. Ici. Voilà. Là, il faut 8. Honnêtement, ça va très bien le faire. Plus que 6. Du bois, on va fermer. Là. Ok. Plus que 2 cases pour fermer complètement. Une là. Parfait. Et une là. Et voilà. Hop. Bah voilà. Parce qu'il y a là. Il y a là, il y a là. Bon, c'est suffisamment bon, je vais la mettre. On tergiverse pas trop parce que ce serait dommage de perdre. Je me suis fait pas mal de tuiles, là. Je suis remonté à 17. On est à 8300. Peut-être les 10 000, c'est faisable. Hein. Peut-être les 10 000, c'est faisable. Ça, on va mettre ça là. Alors, de l'eau avec des maisons. Peut-être ici?
pas génial. Si on pourrait fermer, ça n'a pas tellement d'intérêt en soi. Ah, je dois remettre ça là. Vraiment? Deux ici peut-être. Allez ici. De l'eau. Pop-pop-pom. Des champs. Allez, c'est pas trop mal. Attention à mes quêtes, hein, quand même, faut pas que j'oublie que je repars dans mes travers. Les quêtes avant tout, donc si je peux mettre une case qui va pas trop mal hein, et qui me fait de l'avancée de quête, je prends. Bon, c'est pas trop le cas. Là, vraiment, je rage d'avoir mis ça là. Réellement. Bon, on va aller par ici. Ouais, on va mettre ça comme ça. Je pourrais aussi faire partir en fait de l'autre côté de truc d'eau là. Du bois. Alors au bout d'un moment, comme les quêtes demandent de fermer nos grands bois, c'est fait exprès. Hein. C'est pour qu'on en refasse d'autres grands, parce que si j'ai une quête qui me demande 400 arbres, je vais être embêté, vous voyez. Donc faut assez vite recommencer une nouvelle étendue forestière. Clairement, ça c'est une tactique qu'il faut pas négliger. Des habitations et un rail. Voilà qui est un peu embêtant. Oh, je me suis loupé. J'ai mis du mauvais côté. Voilà. Ah, des champs. Faudrait vraiment bien mettre celle-là avant que ça se termine. On va mettre ça là. Hop. Oui, on va faire ça comme ça. Prévoir ici qu'il y aura un petit village. Ça, ok. Oula. C'est bon. Quête accomplie, on est à 13. Cette partie n'en finit pas. Hein. Je suis pas trop mauvais, en fait. J'ai eu vraiment un coup de chaud. Bon, à un moment donné, il me restait plus qu'une case, une tuile quand même. Hein. C'était vraiment très très chaud. Mais ça a été... Bon, la vidéo va être un peu longue. Allez, on s'en fiche, c'est pas grave. On va la faire quand même en une seule traite, hein, c'est mieux. Par contre, là, je suis un peu dubitatif. Faut qu'on termine cette quête-ci. Hein. Quitte à ce que ce soit pas parfait partout, mais là, il m'en manquera 5. J'aime quand même pas trop. Il nous reste 12 cases, donc je pense qu'on peut... La 6, on va plutôt travailler ici. Voilà, je vais mettre comme ça. Alors, que des maisons, quasiment. Mais de part et d'autre. D'une prairie. Ça, c'est bon, ça. C'est très bon. Champ. Ça commence à devenir grand. Hein. Je sais pas trop comment me mettre. Il n'y a rien qui va hyper bien. Alors je vais mettre comme ça, c'est pas trop mauvais. Rail. Du coup, je peux aller par là normalement. Ouais, je peux aller par là et je pense que je vais le faire. Ah, on me demande de clôturer maintenant, j'avais pas vu, zut. Donc là, on va pas toucher, on va plutôt essayer de venir mettre des arrêts ici. Et là, on va commencer à nouveau. Puisque celui-là, on sait qu'on peut pas le faire très longtemps. C'est au cas où j'aurai une nouvelle quête qui me demande d'avoir 20, 30 rails peut-être. On prévoit une seconde. Plus que deux ici à poser, parfait. De l'eau avec du bois. Est-ce que c'est pas ma case ici? Ah, presque. Celle-là va avec tout, mais après, ça me restera encore un peu plus ici, mais... Je vais quand même la mettre au bout d'un moment. Plus que 6 ici. Ça, ouais, ça va ici. Un coude. Ici? Ouais. De l'eau. Je peux mettre l'eau aussi ici, évidemment, si je veux.
On m'a toujours pas demandé de terminer ici, donc je fais un peu comme je veux. On va mettre ça comme ça. Alors, on me demande d'avoir 96 maisons, mais exactement. Oh là, c'est bon, je n'ai pas encore autant. Bon, on va continuer là, alors. Ouais, comme ça, c'est bon. 3. Alors, malheureusement, là, c'est 2. Il manque plus que 2 champs, ici. Je n'ai plus que 5 tuiles. Ok. Là, il en faut 5, donc on est pas mal. Je vais mettre là, quand même, pour... Pas parfait, mais on va le mettre. Je dois terminer ce cours d'eau, aussi. Des fois, je loupe de l'info. En fait, quand on termine une quête, il faut regarder s'il n'y a pas un petit... Ça, ça indique qu'après, il faudra sans doute terminer. Vous voyez, donc, faut pas oublier de regarder. Bon, je vais mettre là. Ceci, sans doute, pourra se mettre quelque part là. Il faut qu'on termine ce truc, c'est pas évident. Oui, regardez ça, c'est pas trop mal. Perfect à côté. 148 arbres. Vous voyez, il fallait commencer une nouvelle forêt. Alors, j'ai plus que... Où est-ce qu'elle est, celle que j'avais commencée? Je crois que là, c'était terminé. Là, c'était terminé. Ah, j'aime vraiment bien le gameplay du jeu, il est bien pensé. Et moins simpliste... Enfin, c'est simple, c'est simpliste les mécaniques, mais je pense que... Faire du gros score, faut quand même bien... Pas si simple. Alors, je vais mettre là, malgré que ce soit pas impeccable. On termine. Ok, ça sent la fin, tout doucement. Si je pouvais faire 2 étendues d'eau pour avoir océan 2, je serais heureux déjà. Voilà, là, il manque 2 morceaux, j'en ai 1. Je peux mettre là. Il manque 1, je peux pas en mettre 2. Et ils sont collés, donc ça n'ira pas. Misère de misère de misère. On va agrandir ça. Sachant qu'il y a de l'eau aussi, on peut peut-être faire un combo. Pop, pop, pop. Non, pas vraiment. Non, il n'y a pas vraiment de possibilité ici. J'ai bien voulu que ça aille bien ensemble. Peut-être là-bas à gauche. Ouais. Pas mal. Plus qu'une étendue d'eau. Et les 10 000 sont vraiment pas loin, en fait. Hein. Allez, ce qui fait tes 10 000 là, pour une première partie serait vraiment chouette. Fais-le, fais-le. Il n'y a pas d'essai. Fais ou ne fais pas, mais fais-le, de préférence. Ah zut, c'est coincé. C'est vraiment une tuile qui me sert à rien, quoi. Ça m'énerve, je vais mettre là. 144 arbres. Oh là là, évidemment, je suis sur ma nouvelle forêt, ça n'ira jamais. Pour l'étendue d'eau, on l'a. Mais c'est pour, l'océan 2. Ça va, je vais avoir après ceci. Dommage. Alors je vois bien que c'est en blanc quand on peut mettre, mais la couleur est pas vraiment... assez différenciée peut-être. Suffisamment bon, je pense que je vais la mettre là, celle-là. Ouais, on va terminer là. Ok, avec 2 perfects en plus sur les côtés, c'est bon, on est remonté à 7. On peut terminer maintenant ceci. On doit terminer ceci le plus vite possible. En essayant de ne pas trop tenir compte des bordures. Donc là, on ne va pas mettre ça là, évidemment. Il faut 17 exactement. Est-ce que là, je n'ai pas encore un en cours? Si, il en manquerait 3. C'est un peu moche par rapport à ça, mais tant pis, je vais le faire. Pour une question de tentative de survie. Là, je dois clôturer, donc je mets ça là, clairement. Je dois pas clôturer, il m'en faut 4, encore exactement. Je vais mettre ça là, il manquera plus que 1 champ. Il faut une case de champ après qui arrive. Ah, il y en a 2, zut. Est-ce que c'est 3 dans la pile, plus celle que je vais mettre? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors les maisons, je peux rien faire, il m'en faut 16, je vais jamais arriver. Les arbres. Je vais pas y arriver non plus à court terme. Maintenant on peut essayer de clôturer. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles pour clôturer. Même 7. Donc ça va être compliqué également. Donc
Voilà, celle-là, je vais la mettre n'importe où. On va la mettre aux arbres, mais j'y crois vraiment pas trop. Ah zut. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme quête ici? Qu'est-ce qui me met que ça rate? Il n'y a rien en cours là? Ah, c'est la quête qui est dessus, zut, je l'ai pas vu. Ah, on est pas loin des maisons quand même. Hein. T'es obligé quand même de la mettre parce que j'ai l'impression quand même que c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est que maison avec un petit morceau d'arbre, c'est ça? Ça ne m'arrange pas des masses. Là peut-être, c'est pas génial. Ah, il manque qu'une. Ah là là, là j'en ai deux. Après j'en ai encore une dans la pile en dessous normalement. Une dernière. Faut qu'on rajoute à ce groupe là. Hein. Peu importe, ça fait pas des points. Là j'ai deux qui peuvent me servir à clôturer là, mais c'est tout. Ouh, là comme ça. Non, on clôture pas. Là on clôture. Ah non, zut, c'était... Ah non! Ouh, 9810! Il aurait fallu que je me concentre un tout petit peu plus, que je prenne encore un tout petit peu plus mon temps et j'aurais pu le faire. C'est pas grave, c'était quand même très très chouette. Pour une première partie... Assez content. Est-ce que je prendrais un screenshot pour ma partie ou pas? Ce serait spoilé de toute façon. Donc je vais peut-être pas le faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le jeu est vraiment assez cool, hein, je trouve. Il coûte 13€ pour sa sortie finale ce 28 avril. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous!